et bienvenue dans cette vidéo haul Shein Black Friday. La luminosité n'est pas superbe. La luminosité non plus. La luminosité et la luminosité, elles sont pas au rendez-vous. Mais j'ai grave envie de filmer. Alors qu'est-ce qui vaut mieux? Une vidéo avec le plein soleil, mais la motive qui est pas forcément là? Ou une vidéo, bon, on voit quand même, hein, parce que je vais te présenter, on voit. Hein, et quand on est au taquet. Bon, écoute. Moi, j'ai envie de filmer. Je vais filmer. Qu'est-ce que c'est le Black Friday? Est-ce que tu sais ce que c'est le Black Friday? Le Black Friday, en fait, c'est le vendredi sur Internet. T'as des promos de ouf. Et voilà, et c'est le vendredi. Donc, là, ma vidéo Shein, c'est le Black Friday qui a commencé sur ce site. Et j'ai en plus des promos de malades sur le site. Ce code promo qui te donne droit à moins 20% en plus. Franchement, ça vaut le coup. Je dis ça, je dis rien. On y va, c'est parti. Tu sais que nous, ici, les essayages, ça se passe dans la cuisine avec le sac poubelle. Toujours, c'est la petite touche graine de paillettes. Bien, j'ai mis un petit haut plus classique, plus sobre. Pour que les pièces que je vous montre ressortent plus. J'avais commandé une pièce que j'avais déjà en M. Là, je l'ai commandée en L. Tout simplement parce que je l'adore, mais parce que j'aime bien être bien à l'aise dans les vestes. Et là, comme il va faire plus froid, je vais mettre des pulls, en dessous des gros pulls. C'est ma veste militaire, comme ça, en imprimé camo, qui est magnifique. Là, par rapport à l'autre veste en M, celle-ci, je trouve que la capuche, elle est un petit peu plus petite. Mais bon, enfin voilà, il n'y a pas de grande différence. Donc c'est une veste qui a pas de, elle a pas de zip. Elle a juste, tu vois, c'est juste des petites brides comme ça. Et avec les manches resserrées. Donc là, le M, les manches, elles m'allaient un petit peu plus courtes. Là, elles vont nickel. Donc je vais te montrer de suite. Je l'aime trop. En plus, le tissu, il est hyper... tu vois, il est bien épais. C'est le truc, ça tient bien, quoi. Voilà. Et là, la capuche... voilà. Petit prémisse de la vidéo Pokémon qui arrive pour les petits assistants. Voilà. Donc elle tombe comme ça derrière. Elle est un petit peu plus courte derrière que devant. Et devant, tu vois, tu la croises comme ça. Et avec... la ficelle, tu l'attaches, le tissu il est bien imperméable et tout, non franchement, je l'adore. J'adore cette veste militaire pour aller faire la guerre. Ensuite, une deuxième pièce que j'adore, franchement je suis trop fan de la matière et du tombé du truc, c'est un gilet qui est, tu sais, un peu nid d'abeille comme ça. Il est super doux. Là, tu vois à travers. Mais pour autant, je trouve qu'il est hyper chaud. Il est très long et il est fendu sur les côtés. Franchement, je l'adore. Tu vois, tu as une tenue toute sobre. Là, si j'avais eu, tu vois, un legging ou un slim noir. Tu mets ça. En plus, la couleur, elle est super jolie. Un vieux rose avec des petites bottines marron. Les petites bottines marrantes qui vont arriver tout à l'heure pour la tenue où je vais te demander ton avis. Donc voilà le col, tu vois. Et j'avais super peur de la matière parce que les nids d'abeilles comme ça, si le truc il est pas bien coupé, ça peut vite faire matière de peignoir. Tu sais, les peignoirs d'hôtel. Et du coup, j'avais super peur, mais non, pas du tout. Franchement. Voilà. Hop, tu vois, il est fendu. Super long. Et il est, mais vraiment super chaud. J'adore parce que tu vois, c'est pas le truc qui est encombrant, mais pour autant, super chaud. Voilà, j'aime trop. Même comme ça, avec des petites bottes et tout. J'adore, j'adore. Et la couleur, tu vois, malgré mon éclairage artificiel, c'est vraiment ça. Un vieux rose, super joli. I love that. Là, on était dans le convaincu, dans le facile. Ensuite, on reste dans le gilet et je te montre un gilet. Mais alors, franchement, j'ai fait mon mouton et j'aurais pas dû. C'est le léopard. Le léopard, vas-y. Alors là, on le voit en long, en large, en travers et en diagonale. Je me suis pris un gilet léopard
et je trouve que ça me va pas à moi. Je sais pas pourquoi, je suis pas convaincue sur moi. Donc je vais l'essayer, je vais te montrer. Dracofeu comme il est beau. Ouais, j'adore. Dracofeu mandala un peu. Ouais. On adore. Alors, voici le long gilet. En léopard. Je vais le faire. L'intérieur, il est comme ça. C'est, alors attends. C'est une taille L. Alors là, à la caméra, il sort un petit peu vert, on dirait. Mais non, non, il est camel. Voilà, il arrive ici. Tu vois, il est assez long. Pareil que l'autre, il est super chaud et tout. Mais je sais pas, je me reconnais pas moi là-dedans. Je me reconnais pas en félin léopard, tu vois. Qu'est-ce t'en penses? Il est de super bonne qualité, tu vois. Les finitions et tout. Le col, j'aime bien parce que, voilà, comme je t'ai dit pour le premier, c'est pas trop encombrant, surtout pour des gilets longs. C'est pas trop encombrant et c'est très chaud. Voilà. Qu'en penses-tu, Mirabelle? Non, j'ai l'impression... Non, c'est pas moi. C'est pas moi du tout. De quoi? Tu vois, quand on veut faire le mouton de la mode, et ben il y a des trucs qui te correspondent pas, ben ça va pas. On va passer de suite par la pièce qui me convainc, mais alors pas du tout. Je l'ai déballée et je me suis dit, ça, c'est pas un truc pour moi. Ou peut-être c'est un problème de couleur, parce que j'aime bien le gris, mais attention, ça dépend des gris, tu vois. Ça peut vite me faire un teint terne. Et je sais pas, là en fait c'est peut-être la coupe, celui-ci n'allait pas. Je l'essaye et je te montre. Voilà, il présente ça comme une robe je crois. C'est côtelé, j'ai pris ça parce que c'était côtelé, parce que c'est une de mes matières favorites. Le col comme ça, je trouve que ça fait masculin en fait. La matière elle est hyper fine, donc c'est un peu transparent. Il y a une petite capuche derrière. Et je sais pas, non, la coupe me plaît pas. Voilà. Et le gris, pour le coup, je trouve qu'il est un peu gris. C'est un gris chaud. Du coup, ça me va pas autant. La pièce suivante, je suis dégoûtée. Parce que franchement, le modèle, il me plaît grave. Mais malgré le fait que ce soit une taille boyfriend ou machin, il me va trop grand. Et je trouve qu'il me met pas trop en valeur. C'est ce jean. Voilà. Qui est... Mais tu vois... Enfin, c'est trop, c'est pas... Voilà, quoi. Voilà, et si je le baisse, là, je peux l'enlever, le truc. Du coup, tu vois, la coupe, elle est trop bien, mais il est vraiment trop grand. J'ai pris L, j'aurais dû prendre M. Ça, tu mets même en hiver, tu vois, tu mets des petits collants noirs et tout en dessous, avec des petites baskets sympas. Je trouve que ça peut le faire. En plus, il était pas bien cher, celui-là. Donc, voilà. Tant pis pour le Destroy. Dans ma prochaine commande, je crois que je le reprendrai, mais une taille en dessous. Mais très bonne qualité, vraiment une qualité jean. C'est braguette avec un... Attention, on arrive à la dernière pièce. Tu vois un petit peu le haut. C'est une longue robe fluide. Voilà, voilà les motifs. Accessoirisée avec des petites bottines marron. Je sais pas, franchement je suis mitigeance et j'ai besoin de toi sur le coup. Tout ce que je peux te dire c'est que la matière elle est géniale. Pas de matière parachute, pas de matière maillot de bain. C'est une matière robe fluide. Elle a donc des petits boutons comme ça jusqu'en bas. Elle est fournie avec deux petits boutons comme ça au cas où. Je vais mettre mes petites bottines et je te montre... deux pieds, mais en tout cas la matière elle est géniale et la coupe elle est superbe, franchement je sais pas, dis-moi. Alors voilà, elle est d'une agréabilité à porter, mais alors sans nom, elle traîne pas par terre, tu vois, elle est nickel avec des petites bottines marron comme ça. Elle est très large, fendue devant avec les petits boutons et je me dis, est-ce que tu vois, avec ces petites bottines, des gros collants en laine pour l'hiver et une veste. Avec la veste en jean, c'est canon. Après, avec un grand manteau, je sais pas, je trouve ça fait bizarre. Voilà, en tout cas, elle est tellement agréable. T'as l'impression que t'es à Walp. Et en même temps, tu vois, tu peux faire tous les mouvements que tu veux, te pencher et tout. On voit que dalle, je l'adore. Mais je sais pas, il y a un truc... Je sais pas. En fait, je me dis peut-être que c'est une veste pour la fin du printemps. Ouais, je pense peut-être
plus fin du printemps, début automne. Et du coup, les motifs sont hivernaux et la robe est plus pour fin printemps. C'est peut-être ça qui me dérange. Mais en tout cas, elle est... Oh là là, c'est un bonheur à porter, quoi. Elle est... Oh, regarde, tu vois, je peux monter ma jambe. Wouh! Et on voit que dalle. Parce qu'elle est super large. Et en même temps, tu vois, ça fait pas sac à patate parce qu'il y a un élastique. Il y a un élastique à la taille. Et du coup, tu vois, ça marque. Ça fait pas sac à patate. Une petite... Il y a des petits pompons ici. Ça fait un petit esprit bohème. Non, franchement, tu vois, avec mes bottes et tout, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais quand est-ce que je vais la porter maintenant? Mais d'un côté, je m'imagine bien avec des gros collants en laine, un petit bonnet noir ou crème. Mais en fait, le problème, c'est que cette robe, elle va pas avec des longs manteaux, je trouve. Il me faut cette robe pour rester chez moi. Non, je te dis, je sais pas. Il y a des habits comme ça où t'arrives pas à trancher. Tu vois, le gilet léopard, j'ai vu de suite que c'était pas pour moi. Voilà, le jean, il était trop grand, je l'ai vu de suite. Le sweat gris, il m'allait pas, je l'ai vu de suite. Ce gilet, je le surkiffe. Je l'ai vu de suite. Mais ça... En fait, le truc qui fait que j'ai grave envie de la garder, c'est que franchement, je pourrais dormir avec tellement elle est... agréable, la matière elle est géniale, la coupe elle est d'enfer. Peut-être que c'est un problème de motif, je sais pas. Écoute, j'attends ton avis. Voilà, hein. Bon les gars, sur ces bonnes paroles, et ben dites-moi en commentaire si vous allez profiter du Black Friday chez Shein. Je vous fais des gros bisous. Je vais vite aller chercher Maria Carey qui est en train de faire le félin avec ma décoration, tu vois. J'ai un fil, tu l'as vu dans mon décor de salon. J'ai un fil avec des photos pendues. Voilà. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine... Mami, caca, croûte, fraise, mami, bonbon et pain au chocolat. Pain au chocolat. On fait le gâteau? Ouais. C'est parti. Ciao.